Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve sur la suite de ce Let's Play sur Lords of the Fallen. On était donc arrivé à cet endroit-là, on avait débloqué cette petite graine. On pouvait passer par là quand on était dans l'Umbral, on avait débloqué le passage. Mais on s'était fait casser la bouche par un sorcier là-bas au fond, donc écoutez, on va aller se venger, hein. Ah, puis là il y avait un mec avec ses épées. Est-ce qu'on le transformerait pas en Named pour voir? Ah, c'est le matin, je viens de plus ou moins de me réveiller, donc je ne promets pas d'être d'une efficacité redoutable. Mais mon marteau, lui, est au rendez-vous. Le marteau, lui, il assure le coup. Merde. Allez, enlève-lui son truc là. Ah. Marteau! Marteau. Bon ben, marteau, ça marche toujours bien. Ça marche toujours bien, marteau. Marteau de bon matin. Oh, il y a un passage là. Il y a une porte. Ah, c'est un raccourci, ça, non? Ouais. Ça, c'est un raccourci à côté du. Ouais, à côté de l'ascenseur. Très bien. Il n'y a rien d'autre ici? Ah, il y a un coffre. Très bien. Eh ben, ça commence bien. La hache grimaçante. Oh, elle a une bonne tête, cette hache. La hache grimaçante. La hache grimaçante. Elle est là. C'est une hache brasier. Ah, intéressant ça comme loot. Une hache brasier. Ah bah ouais, il y a ma vigueur à récupérer, passage. Là on peut tomber, mais il faut pas tomber, je pense. Parce qu'à mon avis, on va arriver dans un endroit pas cool. Si je tombe, ça, on arrive où là du coup? Ouais, je pense pas qu'il faille tomber, mais j'ai quand même envie d'essayer. Parce que je me dis peut-être ça arrive à un endroit intéressant, mais j'y crois pas de ouf. Hein. À mon avis, ça va être de la merde. J'ai plutôt crevé. Vas-y, on va pas le faire. Bon, on passe à la suite. Je vais me reposer. Tiens, comme ça, je récupère mes potions de soins. Donc, et hop, je règle un peu le micro là. Et ben, allons-y. Allez, la suite, c'est parti, c'est par là. Hop, enchantement sur arme et cassons des bouches. Le chien! Saleté de tes barres. Ouf! La hache de Lord. Beaucoup de hache là, hein? Hache de Lord. Hache de Lord. C'est plus un brasier. Encore une arme brasier, tiens. Après, on est dans un monde de feu, hein, donc ça paraît assez logique. Waouh, c'est quoi ça? C'est un magicien de feu? Tiens, trêve. Putain, mais il y en a combien? Ouf. J'adore. En tout cas, c'est beau ici. Hein. Et yeah! Ah, mais ça. Oh là là, c'est oh, c'est encore plus beau dans l'Umbral. Oh, c'est magnifique. Oh, bah, ça mérite un instant photo, hein, les gars. Vous me connaissez.
Ah, oh là là là, qu'est-ce que c'est magnifique. Oh là là, c'est superbe. Regarde, hop, on voit. Ah, on voit pas mon perso par contre. Ah, c'est comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Allez, faire une petite photo là. Hop, parfait. Oh, c'est bon. Du coup, bah, je suis dans l'Umbra là, déjà. J'en profitais pour fouiller un petit peu la zone. Ici, on a un loot. Un anneau de dévotion infernale. Je parie que ça augmente les dégâts de feu. Un anneau métal, cumuler des instances de brûlure, cumule aussi des instances d'embrasement. Ok. Le contre-feu, on va en avoir besoin ici, je pense. Hein. Résiste-feu, tout ça. Anti-brûlure. Le contre-feu, je vais en mettre un raccourci. Alors, par ici, on a quoi? Là, il y a l'air d'avoir un loot. Ici, il y a une grille. Ok, donc c'est un endroit auquel on pourra accéder plus tard, j'ai l'impression. Là, je vais manger un contre-feu. Hop là. Ah, c'est lui qui m'a attaqué en premier. Ah, mon nez me gratte. Toujours quand t'es en train de te battre. Ah, voilà, et voilà. Fallait que ça sorte. Bon, c'est fait. Alors, un grand éclat des radiums et Rolox. Ah, c'est vrai que j'avais trouvé un truc là, la vidéo précédente. Astrix là, je sais pas quoi. Aeltrix, je crois que ça s'appelait. Ça avait l'air d'être d'un truc bien. Donc je regarde, c'est encore des. J'ai pas encore opti mon stuff, hein, une fois de plus. Un emplacement de gemme que j'ai pas utilisé sur mon arme. Je suis dans l'umbral. Donc là. Bon, très bien. Je pense que dans ce coin-là, il n'y a plus rien. Un moyen d'aller par ici, apparemment aussi. Aïe! Putain, je me fais bourriner par un petit, quoi! Mal géré, ça! Carreau explosif. Là, ça doit être bien quand tu joues arbalète, là. Aïe! Ah bah ouais, mais eux... Eux, ils sont chiants, quoi. Ok. Bon. Très bien. On voit à peu près où faut aller maintenant. Il y a donc cet homme serpent là-haut de l'escalier. J'ai vu qu'il y avait un chien juste avant aussi qui m'a un peu embêté. Passage, somme toute, assez compliqué. On se part buter un chien. Moi, le matin, quand je me lève, j'aime bien tuer des chiens. C'est ma passion. Une passion chien. 30 millions d'amis. On va tout de suite monter ici. On va éviter le gros mob du fond, là.
C'est vrai qu'il y a un homme serpent, non? Non, il est dans l'escalier. Ah, il est là. Voilà. Là, il a un homme serpent de l'escalier. Ok. Oh! Un piège de l'homme serpent. J'aime bien d'avoir un soin en plus. Hein. C'est ça que jouer sacré en général dans CJ Souls. Force foi quoi. Force radiance ici. C'est des builds intéressants. On a les boosts. Les dégâts, les auras, les machins. Ah, tu vois, on peut mettre une graine là. Et on a. Est-ce que je la mets ou pas? Parce qu'en fait, j'ai pas été en dessous de la porte là. En fait, je sais pas si c'est. Ça a l'air quand même d'être grand par là. Ah, on a la carte, tiens. On va acheter un œil dessus, ce qui est assez rare. Je fais pas tout le temps, mais tu vois, la carte de Castel Bramis. Donc. Voilà. Des tableaux, donc là c'est où on était là, tu vois, là escalier, machin, des engrenages. Ok, alors je pense que du coup la suite elle est par là, parce que tu vois, t'as les tableaux. Donc du coup j'ai planté ma graine. Ah, j'ai pas de graine. J'ai rien planté du tout. J'ai pas de graine. Ah, il aurait fallu que j'en achète. Bon, c'est pas grave, c'est assez facile d'accès en fait ici. On va aller là-bas. Là-bas, enfin voir. Ah ouais, non, mais c'est fermé en fait. Ce truc là-bas, là. Moi je pensais qu'on pouvait passer en dessous, mais non. Ah si, il y a un passage là, non? De côté. Non, en fait. D'accord, en fait le pont il est cassé. Enfin, il n'y a pas de pont. Le pont-levis n'est pas baissé, quoi. Ok, bah, j'aurais bien aimé avoir une graine quand même pour la planter. Bon, c'est pas grave. Peut-être qu'on aura Et qu'on aura un vestige après. On va bouffer une petite pastille du coup. Hop. Et. Putain, j'étais pas allé par là. On peut aller par là aussi, tu vois. Il y a un loot caché. Baume purificateur. Un escalier. Wow. Il m'a fait mal quand même celui-là. Ah, j'aurais pas dû soigner avec ça. On arrive ici. Très bien. À gauche, un couloir avec un mec avec plein d'épées là. Un écorcheur. Et à droite. Une porte. Ah, il y a un mec aussi là. Voilà, il est mort. Ah, on peut tomber là, regardez. Ça se fait comme un passage. Et là, cette porte, on peut pas l'ouvrir. On voit que c'est fait exprès qu'on puisse tomber, donc je vais tomber. Voilà. Alors là, vraiment, ça m'a l'air grand cette zone. Hein. Là, un passage, ok. Et donc être dans l'umbral, on passe là. Oh, j'ai pas vu venir. Ah, c'est un petit. Mais j'aime pas cela. Ah, il m'a fait stresser ce con. Voilà, un coup de marteau en tournant, ça fait mal, ça. Ça rigole moins, là. Et là, on a donc... des papillons, des sels, ok, très bien. Ce passage, quoi.
Là, j'arrive où? J'arrive à un endroit que j'ai déjà visité. Ouais, je crois. Ouais, d'accord. Je vois. Par contre, je peux sauter là. Putain, c'est trippant. C'est franchement, c'est stylé, hein. Là, je peux peut-être sauter là. J'ai l'impression qu'il y a un passage annexe dans l'Umbra là, mais tu vois, là, je suis au-dessus de là où je suis monté. Il y a un escalier là. Je sens que je vais crever. Je sens que je vais crever. Je sais pas pourquoi, mais ça. J'ai envie de sauter sur ce truc-là, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Ok, ça passe. Voilà, c'est pareil, tu te dis, il doit y avoir un passage. Là, on peut revenir tranquillement, mais j'ai envie de descendre là. Pareil, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée, mais je vais le faire quand même. Ah ouais, non, mais en fait, ça me mène à rien, ça. Parce qu'en fait, je reviens à la zone de tout à l'heure, quoi. Ouais, c'est un peu de la merde. Hein. Là, je vais crever, du coup. Forcément. A priori, hein. Je pense que si je tombe de là, je meurs. C'est beaucoup trop. Ok, bah, c'était pas une bonne idée. Je le savais, mais je l'ai fait quand même. C'est bien. C'est cool, hein. Bah, je vais utiliser un papillon, du coup. Plus, on a reçu un juste là. J'ai utilisé un petit papillon de lumière, hop. Et ça va me TP donc au dernier. Bah, allô, papillon. Putain, mais je me déplace. Je suis en glitch. Regardez, j'arrive à me déplacer. N'importe quoi. Ça glitch. Je me balade caméra libre dans le jeu. Alors j'ai quand même pas mon personnage. Là, je peux taper. Putain, je suis invisible. Les gars, je suis invisible. C'est incroyable. Bon, c'est bugué, hein. C'est largement bugué. J'étais allé par là. Ah, il y a une échelle là qu'on peut. Hop, putain, je peux rouler et tout. Incroyable. Voilà, il y a une échelle de raccourci. Alors là, mais la caméra, elle fait. Ah ouais, putain, je suis en caméra en plus pas inversée. C'est pour ça que je comprends rien du tout. Enfin, je vais quitter le jeu. Hein. Je vais pas rester en glitch comme ça pendant 2 heures. Marrant. Là, c'est la suite, tu vois. Hop, c'est là. Hop, je suis tombé. Bon, allez, quitte. Retour menu principal, je relance parce que bah voilà, une bug bizarre. J'ai vu qu'il y avait un patch encore sur le jeu ce matin là, quand j'ai lancé le jeu, il y a un petit peu de téléchargement. J'espère que ça a pas complètement bugué ma partie, ce qui me ferait vraiment chier à ce stade de l'aventure. Voilà, c'est bon. Du coup, je suis allé là, je suis même pas retourné de l'autre côté. Je voulais voir là où il y avait l'écorche-peau là. Il peut pas passer par là. Ouf. Il m'a fait mal. Hein. Ah, c'était dans l'umbral en plus. Donc je suis mort, ok. Bien, ce serait cool qu'on ait acheté une graine quand même, parce que là ça va faire loin pour repop. Du coup, ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais aller farmer 2-3 mobs là, pour m'acheter une petite graine. Et puis je vous reprends tout de suite dans l'enregistrement, à tout de suite. Je vous reprends ici car je constate que bah, maintenant je peux acheter le stuff du Fauche Lumière, donc stylé. Tu vois, il a une épée, main droite, main gauche, dague, une lance, et son stuff quoi.
J'ai 40 d'ailleurs, et là c'est un ça doit être un sort de brasier, j'imagine. Ouais, vous voyez, de lame de feu, tu vois. Sympa, hein? Sympa. Est-ce que je le prends, son stuff? Allez, je vais le prendre pour le style. Ah, j'ai changé de stuff justement, et j'ai pas pris le stuff. Est-ce qu'il me reste assez pour prendre un peu de son stuff à elle? Je l'aimais bien aussi. Il me reste 10 pour l'armure, c'est tout. J'ai changé un peu de style de mon perso, mais du coup, j'ai peut-être essayé ça. Ah, j'ai passé en lourd aussi. Non, non. En léger. C'est beau. C'est assez beau. J'aime bien. Voilà, bon, j'ai changé un peu le style de mon personnage, du coup. On repart à l'aventure. C'était la petite pause stuffing. Donc j'ai acheté des graines, hein. J'ai acheté, en fait j'avais plein de stuff avant, des trucs en double que j'avais looté. Donc j'en ai profité pour vendre ça, j'ai pu acheter 4 graines. Voilà. Et... Ah, mince. Ah, j'avais oublié de mettre mon aura, mais c'est pas grave. Allons-y, on y retourne. Alors... Un petit clébard explosif de bon matin. Il n'y a rien de tel, les gars. Il n'y a rien de tel. Ça vous met de bonne humeur. Vous faites un clébard explosif, là. Et là, voilà, j'avais remarqué qu'il y avait un truc là, exact. Tu vois. Crève. Et là, il y a une manivelle. Ouais, un mécanisme. Ah, j'ai pas fait gaffe. Et oui, et oui. J'ai pas fait gaffe. Oh, il y a un Reaper juste derrière. Il y a deux Reapers. Il n'y a plus qu'un Reaper. Aïe. Oh non, hé hey. Ah bah là, il va me tuer. Reaper, arrête de ripper. Reaper, arrête de ripper. Où es-tu, Reaper? Reaper. Tiens. Oh non, j'ai pas eu. Voilà, hop. J'ai pas fait gaffe, tu vois. Et là, on a un puits. Une sorte de puits. Là, j'ai ramassé une graine en plus, tiens. Que j'aurais même pas eu besoin de la farmer, la graine. Il y en avait une juste là. À moins que ce soit sur le Reaper que je l'ai looté, ouais, c'est possible. On descend le puits. On arrive sur des loots, je vais me méfier maintenant. Un vrai loot, ça. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait bouffer par une merde. Ah, j'ai même pas besoin de graines, on débloque un raccourci. Bah, quoi que si, bah. Ça sert à rien le raccourci en fait. En vrai, il est nul ce raccourci, non? J'évite rien en fait. Il est pourri ce raccourci, quoi. Allez, je vais me reposer histoire de retourner dans le vrai monde. Parce que bah, le raccourci est totalement useless, hein, je vous le dis. Tu montes, tu te tapes deux chiens, là tu te tapes deux chiens de feu, quoi. Ah, waouh. Voilà, hop, chien de feu. Ah, le deuxième chien de feu qui est là. Voilà. Allez, c'est parti, maintenant on y va. Hein. On va aller planter notre graine, on sait où faut aller. Faut pas se faire buter par les arbalétriers serpents là, c'est surtout eux qui sont chiants. Il y en a un sur la gauche direct. Alors, lui c'est bon, c'est fait. Le plus chiant c'est celui-là. Merde, il s'est barré. Quand il se barre c'est encore plus chiant parce que t'as l'autre derrière. Ah, il fait ses petites bouboules là. Ah putain, il m'attaque. Ouais, c'est bon, hop, faut que je me barre. Ok. Il est pas mort, hein, celui là-haut. Si. Ah, il est mort, ok. Ah non, ah, c'est une mine ça.
Alors du coup, on était, alors, on était allé là tout à l'heure. Alors, est-ce que je planterai pas la graine d'abord? Ce serait peut-être plus judicieux. La graine, c'était par ici, voilà. Je la plante tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà. Je disais donc, tout à l'heure on était passé par là, on avait exploré ce côté. On l'avait exploré, on avait trouvé tout un passage, rappelez-vous. Mais on n'était pas allé du côté où il y avait le fauche-peau, là. L'écorcheur de peau. Le voleur de peau, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un mec qui va nous tomber dessus, normalement. Aïe. Ah oui, il m'a bien tombé dessus, il m'a pas raté. D'accord, genre de peau là-bas. Il n'est pas sorti de sa cachette, l'autre là-bas derrière. Ouais, donc ici, il y avait un loot, j'ai bien fait de venir. Oh, c'est un petit loot, hein. Et donc, on était allé par là, et on a été monté. Voilà, bral, blablabla. Ok, donc. On va retourner vers notre graine. Elle est quand même grande, cette zone, hein. La zone finale du jeu, je pense, qui, à mon avis, doit être la dernière, vu qu'on a fait les 5 balises. La logique du jeu voudrait que ce soit la fin du jeu. Je la trouve big. Ah, par ici. Je vais me faire un petit repos, tiens. Parce que de toute façon, on va arriver à une nouvelle partie, entre guillemets. Donc la grande salle où je suis mort tout à l'heure. Où il y avait le gros mob là, avec son bouclier. C'était donc par ici. Par là. Là, on tombe. Il y a des tableaux. Et là, c'est la bagarre. Ah ouais, faut que j'arrête d'en faire deux d'affilée. Il m'a dérouillé là. En spell, voilà, je fais un nuage. Ah, un seul, un seul, un seul. Calme-toi, calme-toi. Voilà, c'est bien. C'est assez. Bon, rends-moi ma vigueur, toi déjà. Merci. Il faut que je. C'est un vrai loot, je le prends. Lance d'éviscération. Donc la structure de ce truc, elle est un peu bizarre. On peut monter là, on peut descendre là. Là, il y a un Reaper. Ah oui, je suis dans l'umbral. Puis là-bas, on peut aller sur le côté, je sais pas si vous avez vu. Ah, il faut une clé, clé royale, ok. Clé royale. Ça me fait penser qu'on n'a toujours pas trouvé la clé du repos astral. Peut-être que je me penche dessus. Ah, je suis dans la morale, faut faire gaffe. Je vais crever là. Si je crève, je meurs. Il y a un loot là. Pendentif à tête réduite. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, les attaques à distance, à pleine charge, infligent plus de dégâts. Donc ouais, c'est un truc de sniper, un peu, en quelque sorte. Ok. Voilà, il y a encore un Reaper. Tu vois, il y a des plateformes, là. Cette porte, on peut pas l'ouvrir. On a déjà essayé. Il faut la clé royale. Cette porte, on peut l'ouvrir. Ah, il y a un truc à extract. Une échelle à faire tomber, tiens. Oh, c'est un raccourci. C'est un raccourci, regardez, il y a Mugden, elle est là. Ok, petit coup d'eau. Faudra que je passe au café à un moment donné aussi. J'ai pas bu mon café. Vous savez ce qui se passe quand je bois pas mon café? Je me fais buter par un monstre random. Alors non, je suis fatigué et il n'y a pas rien qui se passe.
But he will not take my son. Ah, donne-moi les résidus. Donc on disait on peut descendre, mais on peut aller là-bas aussi. Donc nous on va aller là-bas d'abord. Et il y a des petits mobs de feu là. Ah, il y a un gros. J'ai voulu le feinter, j'ai voulu la jouer petit. J'aurais pas dû. J'ai déjà le buté au spell, j'aurais dû lui rentrer dedans et mettre des coups de masse quoi. J'ai flippé un peu là. Trop prudent. Ça marche jamais d'être trop prudent non plus. Hein. Bon, j'avais débloqué une échelle. Raccourci. C'est par là. Cette échelle, petite échelle, une échelle inette. Voilà. Ah putain, bah, il est là lui. Ah mais pff, sérieux quoi. Ça va être chiant là. Allez, descends. Oh putain. Je m'attendais tellement pas à ça. Ouais, ok, d'accord. Bon, mais en fait, ça me fait chier là, du coup, je vais retourner m'asseoir. Hein. Ok, lui il est là, c'est vrai, il y a lui qui est là. Dès que je sors. Sur un coup-ci, en fait, il est un peu pourri quoi. Enfin, c'est pour. En fait, déjà, il raccourcit quasiment pas. Puis t'arrives, tu prends direct l'aggro du gros là. Le double spell que j'aurais pas dû. Oh là, ouais, ça dégage. Déjà, c'est bon. Bon, on était là tout à l'heure. On s'était fait buter par un autre gros comme ça qui se baladait ici. Voilà. Ah. Chargé. Mais je récupère ma vigueur, je suis mort entre deux, c'est bizarre. On aurait pas dû la récupérer normalement. Un coffre. Qu'avons-nous là? Des éclats. Grand éclat, pépites et petits fragments. Un truc pour améliorer tes armes. T'en as plein à la fin du jeu, hein. On a, tu peux aller niveau armes. Je me demande si je vais faire un New Game Plus ou pas, tchao. Ou si je recommence un perso. Anneau fumant, mec. Oh, c'est quoi ça? Ah, ça veut dire qu'il y a un caster dans le coin, non? Regardez ce que c'est l'anneau fumant. Un anneau qui émet fréquemment des minuscules étincelles, augmente la résistance aux brûlures, ben oui. Ah oui, il y a donc un caster, j'avais bien vu. Là, les nuages, ça a l'air pas mal. La boule aussi. Ils n'ont pas beaucoup de vie, eux. Un malentendu.
Et on va manger des pastilles. Oh non. Oh putain, et là, c'est festival ici. Ils sont combien? Je vais crever, bah ouais, c'était sûr. Arrête de faire deux fois à chaque fois, c'est chiant, putain, le temps que je perds. J'aurais pas dû faire ça en plus, putain, je suis reste loin, merde. Ah, je suis pas content d'être mort là. J'ai mal joué, j'ai vraiment merdé. Ah, dommage, parce que là en plus je suis loin quoi. J'ai affronté plein d'ennemis. J'ai le gros à se faire là. Faut traverser, se refaire un autre gros, se refaire le sorcier. Et voilà, il le fait deux fois, il le fait deux fois. Alors, on se concentre. Parce qu'il n'y a pas de raison après tout. Voilà, c'est quand on arrive par le côté normal. C'est les petits merdeux là qui m'emmerdent aussi à chaque fois. Il y en a trop des merdeux. Deux fois encore, deux fois. Et... Ok, bon. Ah, on n'est pas loin de où on était juste avant. Même c'est eux qui s'accumulent. Bon, je rush trop. Je me retrouve avec plein de comme ça. Voilà. Ils s'accumulent, ils surgissent de n'importe où, ceux-là. Là, il y a le sorcier. Ah, il est pas, il repop pas le sorcier. Bon, ça, c'est cool. Ben, eux par contre c'est l'enfer. Ben, ils sont combien quoi? Ok. Un petit soin. Ah, il y a une... J'avais pas vu qu'il y avait un levier là. On va l'activer. Waouh! Ok, l'escalier central tourne, donc on peut aller de l'autre côté là-bas. Intéressant. Est-ce que j'y vais tout de suite? Bon, je vais peut-être y aller plutôt après. Non! C'est pas ce que je voulais faire. Oh, c'était pas si con, finalement. Ça m'aide à repérer les petits merdeux en fait.
Voilà, j'étais mort ici à gauche. Ah, y avait un sorcier. Putain, je suis remords quoi. Pas tout à fait. Ah, on tue le sorcier, ça c'est bien. Ayez où la cour. Tiens, donne-moi ma vigueur toi. Ah, c'était piégeux là, franchement. Toi, t'as une porte. Ah, on peut planter une graine ici. Ah, je me suis planté. Ok, on peut planter une graine, donc c'est cool. Ça servait quand même à quelque chose d'arriver là. Ah, on pouvait passer par là. Ça servait à rien. Ok, bon, d'accord. Très bien. J'ai planté ma graine quand même, comme ça c'est fait. Ah, là on a un escalier. Non, on n'a pas un escalier d'ailleurs, c'est une échelle, pas d'escalier. Mais elle mène nulle part. Ah, mais les gars, les petits là, faut arrêter là. Coup de marteau, puis c'est tout, mais bon. Et là, on a un Reaper qui traîne. On va aller voir cet escalier qu'on a fait tourner du coup. Hop là. J'ai appuyé sur mon. Ah, je suis tombé. J'ai appuyé sur mon appui et mon appui, j'ai glissé quoi. On va aller voir donc, disais-je. L'escalier, la vidéo commence à être un petit peu, ouais, ça va, c'est pas si long que ça. Mais je vais pas faire trois parties sur la dernière partie, quoi. Vas-y, on monte dans cet escalier. Donc, ici, on n'y avait pas accès. On va remettre un petit coup d'enchant. Oh, il y a du monde. Oh, déjà, il y a un Reaper. Ah, il y a une sainte quintessence sainte là-bas. Oh non, il y a un comme ça. Ah, je la joue tellement traître là. Ah mon gars, enfin, quoi? Je suis un gros traître. J'ai crevé. L'archer. Ok, bon, j'ai joué vachement spell là, hein, parce que j'ai sécurisé un peu le bazar. Les petits là, les petits. C'est un petit ça. Ah, encore du monde là. Vas-y, c'est un Reaper, quoi. Voilà, dégage. On peut sortir de l'umbral, là. Ah, mais je crois pas que... Ah, il y a un raccourci à débloquer ici, par contre. Ça, c'est cool. C'est une grande échelle. Ah, bah, regardez, je retourne à la... À la graine. Ah, c'est la graine que je viens de planter là? Ouais, c'est ça. Ah bah c'est cool. Intéressant du coup. Je vais pas sortir de l'umbral parce que j'ai pas me fait avoir puisque il me semble qu'il y a une quintessence à récupérer que j'avais vu. Voilà. Ici.
Est-ce qu'on peut la... pas faire grand chose là, hein. Mettre en face peut-être. Il va quand même y avoir de la bagarre, non? Ah, il y a un comme. Il y a un. Ok, il y a un enfoiré là. Il me fait la totale, hein. Ah merde, je suis à 2 de... Faut que je me dépêche. Le rouge, il va arriver là. Non mais ça marche pas, c'est trop loin. Les chiens de feu, ça? Je suis à 3, je suis à 3. Il arrive. Ah, le bâtard. Faut que je me barre, faut que je me barre. Vite! Ok, je suis sorti de l'umbral. J'ai quand même 28 000 âmes là, ce serait con de les perdre. Il y avait une quintessence pour moi à récupérer là. J'ai pas trop vu comment on pouvait y aller comme ça, a priori. Du premier coup d'œil, je vais retourner là-bas en mode plus sain. Ça, c'était quoi qu'il fallait? Ah, c'était pas la clé, la clé royale. En fait, c'est la même porte que de l'autre côté. Forcément, parce que l'escalier a tourné et là, on y est de l'autre côté, mais elle s'ouvre toujours pas parce qu'on a toujours pas la clé royale. On dirait un passage secret là, sérieux. Une bibliothèque comme ça. Ah, bah la clé royale! Que demande le peuple? Elle est là, la clé royale. Voilà! Et du coup, faut refaire tourner l'escalier, je pense. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et remonter par là. On va regarder si. J'imagine qu'on peut réactiver le levier. Alors, ce qui est cool, c'est que. Je vais passer par là, du coup. Ce qui est cool, c'est que je me suis pas reposé. Ce qui veut dire que, tu vois, je vais pas me reposer là, mais je vais prendre un des niveaux. Bon, deux rendus, un Vita. Voilà. Et donc, je disais, comme je me suis pas reposé, ça va être clean et je vais retourner là tranquille. Réactiver, à mon avis. Ah, mais je suis pas allé à l'étage. Je ne suis pas allé à l'étage. Ça, c'est bien vrai, ça. Attends, je vais d'abord. Soyons méthodiques. Je me suis arrêté au premier étage, en fait, de l'escalier. Je ne suis pas allé au deuxième étage. Déjà. Alors, voyons donc, montons. Enfin, je n'ai plus de cailloux de mana là. Ah si j'en ai, mais des comme ça. J'ai rebouffé, hein. Ouais, tu vois, là, il fallait la clé royale. Il n'y a pas des loots cachés dans les coins.
C'est étrange, il n'y a même pas de musique, rien. Hop! Catalyseur de Lord. Catalyseur de Lord, ce qui est un catalyseur brasier. Hop, je me rhabille. Voilà, vite fait. Catalyseur brasier. Attendez, j'ai même mouché un petit peu. Me revoici. Il y a un petit papillon là. Il y a un petit bruit. C'est sûr qu'il y a un passage secret quelque part. Quand je vois des bibliothèques, ça m'inspire tellement passage secret, quoi. On a fait le tour, mais il y a un escalier apparemment. Ouais. Il faudrait que je sois dans l'umbral là, j'ai l'impression. Je sens. Pas grave, on va remonter. Ah. Ah. Oh. C'est ballot, on peut planter une graine là. C'est ballot, baliballot. Et du coup, je voulais être dans l'umbral en bas parce qu'il y avait un truc qui me. Je sais pas. Qui me disait qu'il fallait être dans l'umbral. Je voyais des petits papillons, mais est-ce qu'il y a un truc spécial à faire ou pas? J'ai pas l'impression. Ah, tu vois, il y a un truc pour sortir de l'umbral déjà. Ok. Non, il y a rien de spécial. Les petits papillons sont juste là pour te faire chier. Non, j'ai sortir de l'umbral direct, hein. Continuons notre aventure. Dis donc, c'est quand même sacrément grand, hein, cette zone. Franchement, je me suis dit je vais la finir sur cette vidéo, mais plus ça avance, plus je me pose la question. Surtout qu'il y a un dernier boss à faire et qu'il y a 10 travails à faire dessus. À mon avis, ce sera pas le boss sera pas sur cette vidéo, hein, j'imagine. Voilà. Il y a encore du monde, regardez-moi ça. Là, il y a un mec là-bas. Ah non. Ah, je l'ai démonté, il a rien fait, quoi, le pauvre. J'ai rien racheté des petites graines bleues là. Parce que c'est quand même indispensable. Oh, il y en a un autre. Bim! Voilà, c'est qui prend du marteau dans sa poire là? C'est les gros là. Avec leur boubou là, je sais pas comment ils s'appellent, je les appelle les gros avec un boubou. Oh, c'est mignon, on dirait la chambre du roi. C'est très doré, hein, c'est très doré. Hein. Le roi aime le luxe. Hein. Oh, le lit est un peu dégueulasse. Le masque de Lord. Oh, le masque de Lord. Masque de Lord. Oh, il a bien l'air con avec ça. Moi, j'aime bien la tête de cloche. Hein. Je garde la tête de cloche. En fait, j'ai plein de masques. Celui-là, il est pas mal, je trouve. Ah! Je sais pas combien de trucs de stuff que j'ai jamais essayé. J'aime bien la tête de cloche. Je garde la tête de cloche. Prochaine run que je ferai, je m'habillerai autrement. Mais là, c'est run tête de cloche, quoi. L'ange. Je pense que c'est un truc pour le bas là, l'ange. Regardez. Ah non, même pas. C'est quoi l'ange? Inventaire tout. Allez, où est cette icône? L'ange.
Alors, je lance ça. Hop. Non, je maîtrise mieux le brasier pour savoir plus. Ça a l'air d'être un objet de quête. Si je dis pas de bêtises, hein. Si je vais dans l'inventaire, que je vais dans quête. Ouais, il est classé avec les objets de quête. Ok. C'est étrangement calme, hein. Franchement, ce passage. Je débloque encore un raccourci. Là. On va vérifier ma théorie sur le. Elle est où le. Elle est où le. On n'est pas descendu. En... Ah oui, là, je suis là. Oh, bien, écoutez, je voudrais peut-être que je sois dans l'Umbral, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans le monde normal ici. Je vais remonter quand même, parce que je me demande si je peux passer à côté de quelque chose, que je débloque une sorte de raccourci, il y a peut-être un autre passage. Ah, déjà ça, regarde. Ça, c'est intéressant. Là, on peut y aller, clairement. Hop. Hop là. Ah ah! J'ai ramassé des contre-feux de merde, on s'en fout. Ah, par contre, il y a un passage, là. Là, il y a un passage. Voilà, là, le passage de fou, quoi. Contre-feu, ouais. Je peux le laisser en raccourci parce que j'en aurais sûrement besoin, mais. Ça sent un peu, je descends vers une arène de boss, là. Allez, deux passages. À droite, à gauche. Je vais à la droite. Ouais. Ah, on peut planter une grenounette ici. Ah, on va pas se gêner, hein. On va pas se gêner, on va se la planter la graine. Hein. On en a plein. Hein. Et si je me reposais du coup? Eh ouais. Maintenant je peux me reposer, j'ai pas retourné de l'autre côté tout de suite en tout cas. Là où il y avait tous les mobs. J'y retournerai peut-être après pour fouiller. Si je... Allez, un petit coup de... Voilà, tranquille. C'est très rouge, hein, c'est très rouge. What the... Tue-le, vite, y'a un autre qui arrive dans ton dos, tu l'entends? Il est où celui que t'entendais? Il est là. C'est un gros avec un bouclier! Un gros avec un bouclier! Ah, j'ai raté. Oh, il est hyper vénère, lui, putain, il est beaucoup plus vénère que son frère tout à l'heure. Hein. Jean-Michel vénère! Ouais, il va me tuer. Alors, je l'ai eu, mais bon. Pas, pas ouf, quoi. Ok, il n'y a rien à faire là. On peut redescendre par là, on dirait. Il y a du loot quand même. Ah, je suis de l'autre côté de la grosse structure, d'accord, ok. Le truc que je voyais tout à l'heure. On peut aller là. Hop, encore un spot à graines. Un marteau, le marteau de Bartholomé. Analysons ce marteau. Je suis fan des marteaux, mon marteau de... Waouh. Un mec. Donc je disais, marteau de Bartholomé. Il est où? Celui-là, marteau de Bartholomé. C plus en radiant, E en force. C'est pas mal comme stat de base, non? Je me demande s'il est pas mieux que mon gros marteau, tiens. Faudrait l'améliorer pour en savoir plus quoi. Je peux le faire, hein. De toute façon j'ai de la thune, je peux l'améliorer jusqu'à plus 9 pour comparer. Le plus 10 ça va être plus chiant mais...
Plus 9, je peux le faire, je pense. Bon, allez, go la suite. Hein. Go la suite. Alors, rien comme ça. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait un Reaper en plus. On doit recharger un peu. Ah! Il m'a eu, mais le Reaper, il m'a eu. Tue-le. Tue tout le monde. Voilà. Soigne-toi. Prends ta lampe. Tire là-dessus. Donc, ce loot, c'est un œil ombralien. Ok. Donc là, j'ai chopé encore une graine. Et train de... Oh non, putain, j'ai pas fait gaffe. J'étais en train de lire les loots. Je te jure. Putain, c'est deux fois que je me fais avoir aujourd'hui. T'es trop confiant là, t'es là, tu lootes, t'avances, nani, nana. Putain, la vidéo elle commence à être trop longue, on va pas pouvoir le faire d'un coup là, j'ai l'impression. Je pense que ça va être... Je vais retourner jusque là, je vais voir où est-ce que j'arrive et je pense que je vais devoir arrêter la vidéo pour pas que ça dépasse trop une heure en fait. J'ai planté ma... Mais j'ai pas planté une graine là. Oh putain, j'avais planté une graine, mais... Oh, mais je suis où, là? Putain, mais je suis hyper loin. Non. Ah bah non, c'est bon, je suis là. Ah oh, putain, j'ai eu peur. J'ai flippé. Mais... Attends. Là, je suis au début, là. C'est chelou. Bref. Donc, très bien. Il y a eux à battre. Ah non, lui, il est plus là, lui, c'est vrai. Le sorcier, il reste pas. Donc, gros coup de marteau. Gros coup de marteau numéro 2. Ah non, il m'a interrompu. Laisse-moi crier mon attaque, comme dans One Piece. Gros coup de marteau. Dans la gueule. Ok. Ça, c'est fait. Ah, faut pas que je fasse... Faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus de boulettes. Si, j'en ai encore. J'ai encore des boulettes. Alors là, il y avait le faux loot qui m'a eu. Ah, je le vois là maintenant, le faux loot. Hein. Je le vois bien, il clignote bien. Oh! Oh putain! Ah, il m'a pris dans l'umbral. Oh putain! Oh, je suis tellement deg. Oh, il m'a attiré dans l'umbral. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris le bon truc. Ah, allez, le v'là, l'autre accès. Ah, je suis tellement deg. Ouais, vous, c'est bon, quoi. Bon, je suis pas mort, hein, mais voilà, deck quand même. Oh là 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 là, quelle catastrophe! Allez, extracte-le ton truc là! Ah, merci! Bon, tout ça pour une patte à la con, quoi. Un papillon bleu, je sais même plus ce qu'ils font les papillons bleus. Ah, bah ça, c'est une arène de boss, ça! Ah, bah oui! Hein. Là, clairement. Là, ça mérite carrément. Voilà. Une petite photo, quoi. Oh, c'est beau, c'est beau. Là, on est d'accord que... On est d'accord que là, on est parti sur une arène de boss. Hein, je vous le dis. Bah, du coup, je vais faire un try dessus. On va se taper la vidéo. Ah oui, il faut que j'enlève ma caméra. C'est plus sympa aussi. On va se faire l'arène de boss. On va se faire le boss. Et on verra où ça nous mène.
Oh, le boss. Mon arc morcelé. Oh, il a l'air tout triste. Le monarque. Oh. On va lui mettre un gros coup de marteau pour voir si ça va pas le rendre un peu plus joyeux. Aïe! Il m'a fait mal. Il m'a fait très mal. Ok, il fait plusieurs auras comme ça. Déjà, premier coup, j'aurais pu faire un coup chargé au lieu de faire un petit coup moyen. Ah, j'étais dans le bras, là. Ok, bon. On n'aura pas essayé, du coup, le boss. Hein. Bah écoutez, de toute façon, les gars, la vidéo est assez longue comme ça. On va l'arrêter là, et ce sera pas la dernière, du coup. Encore une fois, je croyais que ce serait la dernière, mais ce qui va se passer, c'est qu'à la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais focus ce boss, et que si c'est la fin du jeu, je referai un petit tour à différents endroits que je voulais checker dans le jeu que j'ai pas fait. J'essaierai peut-être une nouvelle arme comme ça, un peu, ce sera peut-être une vidéo bonus, pour voir un petit peu voilà, ce que je peux faire, si je fais une game plus, si je recommence une game. Voilà, bah écoutez, je crois que la zone est finie d'être explorée. Alors, on n'a pas exploré, on n'a pas trouvé la quintessence sainte qu'on avait repérée. D'ailleurs, on n'a pas été la chercher. Ça, je pourrais aller également éventuellement la chercher. Il y avait une dans la zone des neiges aussi qu'on n'avait pas eue. Je pense à celle-là aussi. Après, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Franchement, bon, le soin, il est assez bon là. Ah, tu vois, je peux l'améliorer en plus, mon sanguinarix. Donc, tu vois, là, je vais être à 94% de PV, cette charge. Voilà. Bon, bah écoutez, les gars, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Kaboss pour la suite des aventures et pour tuer ce gros boss qui a l'air tout vénère. Allez, ciao, bye.